J'ai filmé ma make-up routine sur TikTok parce qu'on me l'a demandé. Et là, maintenant, c'est tout détruit. Il faut que je range tout ça. J'aime beaucoup mon maquillage d'aujourd'hui. Ça fait très clean, très clean girl, très... Très, je sais pas. Juste, ça fait très clean girl, je trouve. Oh! Attendez! J'arrive pas à me baisser, c'est trop mal. Oh, c'est trop beau avec le salade! J'ai pas pu filmer de weekly ramadan, enfin semaine ramadan, parce que j'ai pas pu, tout simplement, si, j'ai pas pu. Donc, c'est pas... Respire, respire. Vu que j'ai pas pu filmer cette semaine, je me suis dit que j'allais faire ce week-end plutôt. Et ça me saoule parce que du coup, je sais pas quand est-ce que la vidéo elle sortira, étant donné qu'il faut que je fasse le montage. Au pire, vous l'aurez plus tard, hein, c'est pas grave. J'ai commencé à filmer un peu tard, je l'avoue, parce que j'ai rien fait de ma journée en fait. J'ai rien fait de spécial, du coup, c'était inutile que je filme dès le matin alors que je faisais rien de spécial. Mais ce soir, du coup, pour le l'after, je vais manger chez ma grand-mère avec ma mif. Et sinon, à part ça, je fais rien. Je suis en vacances! Je suis en vacances! En plus, j'ai 2 semaines de vacances parce que faut savoir que moi j'ai qu'une semaine de vacances à chaque fois. C'est la deuxième pour ceux qui veulent savoir. Et là, je sais pas pourquoi pour les vacances. Non, si en fait je sais pourquoi. Je sais clairement pourquoi. C'est pour réviser les partiels. Mais j'ai pas envie de me dire dans mon crâne que c'est pour réviser les partiels que j'ai 2 semaines parce que voilà. Mais j'ai 2 semaines de vacances du coup, ça me fait très plaisir. Donc demain, je sais pas ce que je vais faire parce qu'habituellement le dimanche je bosse. Mais j'ai pas besoin de bosser étant donné que c'est les vacances. Je vais jouer à GTA parce que je joue à GTA. Enfin, je joue, MDR. En fait, à chaque fois que je joue, bah en fait, là, je vous explique. Vous voyez, quand vous commencez GTA Online, vous devez aller récupérer de la drogue. La mission, première mission, c'est récupérer de la drogue. Bah, je vous jure que ça doit faire 3 semaines que je joue à GTA. Je suis toujours à cette étape-là parce que je suis trop lente et j'arrive pas à aller chercher la drogue. Voilà. J'ai regardé la School RP hier, parce que du coup, il y avait un live d'Amine sur la School RP. Je vous jure que c'est... En fait, je pensais pas que c'était aussi drôle, la School RP. Enfin, je pensais pas que c'était aussi drôle, mais la vie que c'est trop drôle. Et la vie que pour moi, le mec le plus drôle dans la School RP, c'est John. Après, chacun son point de vue, hein. Mais moi, pour moi, c'est le mec le plus drôle de la School RP. Celui qui me fait trop d'ahak, en tout cas. Vous savez que je suis trauma de ma vidéo. Je suis trauma de ma vidéo précédente. Mon Ramadan épisode 1, je suis trauma du truc qu'on voyait dans mon pif de mort. Ça m'a trigger. Ça m'a trigger de fou. Voilà, ça s'est cassé. Après, c'est ça mon problème, j'achète les trucs sur AliExpress, ça, faut que... Mais j'aimerais bien m'acheter un... Vous savez ce que j'aimerais m'acheter? Déjà, un vrai trépied. Et j'aimerais bien m'acheter un stabilisateur. Parce que quand je marche ou quand je filme des endroits dehors, j'aimerais bien que ça stabilise mon tel. Mais ça coûte plus de 100 balles. À craquer ou quoi? Je ne mets pas 100 balles, moi. Donc je préfère acheter mes petits trucs à 3 euros. Non, je dois hack un... Oui, c'est des trucs comme ça. Ça donne envie de péter un plomb, là. J'ai envie de péter un câble. Bon, entre-temps, j'ai changé de barrette. J'ai mis les petits papillons. Ils sont archi pas dans le même sens, là. Je suis grave en retard dans mes revues livresques. Du coup, il faut que je commence Soleil de Menuhin et de Lili Blabla. J'ai le tome 2 aussi. Vous voyez qu'il est très fin, le livre. Donc, je pense que je vais le commencer là, avant que ma mère arrive. Ou ce soir, je sais pas. J'ai envie de le commencer là. Je vous mens pas, j'ai envie de le commencer, mais j'ai pas envie de mettre mes lunettes. Parce que je sais que ça va gâcher après mon maquillage. Parce que mes lunettes, elles touchent mon nez. Et je peux pas lire sans lunettes. Sinon, ça me fait mal aux yeux. Et j'ai des migraines ophtalmiques. Je vous jure, ça fait tellement plaisir de voir du soleil comme ça. C'est tellement agréable. Ça sent tellement l'été. Je vais continuer le drama que je regarde. Donc, je vais vous montrer ce que c'est. C'est Call It Love avec l'actrice de Kim Bok-jo et l'acteur de Somebody. Et ce K-drama, qu'est-ce qu'il est bien. Mamma mia. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de K-drama. Je sais pas pourquoi j'ai... Attendez, ça me stresse. Ok, c'est bon. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de K-drama. Je sais pas pourquoi, il y avait une période où j'en regardais et après j'ai arrêté. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai repris parce que j'aime trop en fait les K-dramas. Et là, j'ai repris avec celui-là, Call It Love. C'est pas... Vous voyez, c'est pas le type de K-drama où tu rigoles tout le temps en fait. Il y a un peu d'humour, mais c'est pas les K-dramas du style Kim Bok-jo ou Stronger Buksoon, les trucs où tu rigoles, tu vois. Pas ça. Tu daraques pas trop là, tu vois. Mais c'est Mims. C'est très 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 Mims. Là, je suis à l'épisode 12. Il y a 14 épisodes. Et la semaine prochaine, du coup, il y en a deux autres qui sortent. Le 15 et le 16. Et j'espère que c'est une happy end. Je sens en fait... Je sais pas pourquoi je sens que c'est une sad end. Mais j'espère que c'est une happy end. Je vais refaire les traits par-dessus le dégradé que j'ai fait au milieu. Comme ça, au moins, après, je saurai où peindre exactement. Je vous mens pas, je stresse un peu parce que c'est cher dur de faire le dégradé sur le visage. Je vais quand même essayer.
De retour à la Casbah. Je suis un peu fatiguée en vrai. Je pense que je vais bientôt aller me coucher. Il est 23h51. Ouais, je ferai beau, ça y est. Je sais pas si Billy est en live. Je crois qu'il est en live. On va regarder ça tout de suite. Je crois qu'il fait une radio d'éther. Monte en haut, je vais voir c'est comment avec le grand ref. Et je ferai un tweet. Je ferai un tweet pour vous dire. Mais en tout cas... Je suis désolée, c'est trop grave d'avoir une coiffure comme ça. Non. Billy, tu joues à quoi, poteau? Tu joues à quoi, frère? J'ai trouvé un site de vêtements. Ma mamie, j'ai envie de tout acheter, en fait. J'ai envie de tout acheter. Vous voyez le style Akubi? Akubi, je sais pas comment on dit. Ah bah j'aimerais tellement m'habiller comme ça. Mais vraiment, j'aimerais trop m'habiller comme ça. Mais j'ai ni les accessoires, ni les hauts. Ni les bas, d'ailleurs. Enfin, les bas, j'en ai un petit peu. J'aimerais tellement m'habiller comme As. Vous voyez, c'est ce style. Et moi, je pense, vu que j'aime pas mes bras, je me dis, ça peut m'aider à aimer mes bras parce que c'est des tenues vraiment, genre, près du corps, vous voyez. Après, il y a des trucs qui sont hyper courts que je mettrai pas, mais vous voyez un peu le thème. Le thème, pardon. Wesh, elle, je la connais. Ah, je me disais bien, je la connaissais. Mais le problème, en fait, c'est que j'ai pas la thune. Non, pas la thune. J'ai pas du tout la thune pour... I'm feeling lonely. Il est actuellement 13h54, presque 14h. J'ai passé la matinée à ranger ma chambre, étant donné que je me suis levée à 11h. En fait, vous voyez, j'ai mis un réveil à 9h30. J'ai fait 9h30, 35, 40, 45, 50. Mais je sais pas pourquoi, je n'entends pas ce réveil. Je n'entends jamais ce réveil. Et c'est-à-dire que tous les jours, je me réveille à... Enfin, tous les jours. Le week-end, quand je mets ce réveil, eh ben, je me réveille pas. Parce que je n'entends pas ce réveil. Je ne sais pas pourquoi. Je comprends pas. Bref. Donc, étant donné que c'est les vacances, je ne vais pas travailler aujourd'hui parce que j'ai un peu la flemme et je suis un peu fatiguée. Mais je vais organiser mon travail pour la semaine. Parce qu'il faut que je bosse, il faut que je révise et j'ai trop la flemme. Donc, je vais organiser ça sur Google Docs, Google Calendar et sur Notion. Enfin, Notion, là, je n'ai pas trop besoin pour m'organiser étant donné que c'est plus Google Calendar. Ah, bah si, un petit peu. Bref, je vais utiliser les deux. Et voilà, voilà. Eh oui, et avancer sur les sous-titres anglais des vidéos parce que je vois les commentaires qui me demandent les sous-titres anglais. Donc il faut que j'avance sur les sous-titres pour que je les poste le plus rapidement possible et que je commence le montage pour sortir la vidéo demain, je pense. Ce soir, je mange chez de la famille encore. Donc je vous filmerai ça. C'est un week-end tranquille, franchement, petit week-end tranquille au pilou à la Casbah. Il y a un truc que je veux trop tester et que je pense que je vais tester là tout de suite parce que ça me trigger. En fait, c'est le color grading. Je sais pas si vous savez ce que c'est. En mode, vous voyez, quand des vidéos, elles sont filmées avec un téléphone, mais ça fait hyper cinématique, ça fait des graves films. Oh, j'avais commencé le montage d'une vidéo, je l'ai jamais fait fini. Nul. Donc, en fait, du color grading, c'est quand tu, du coup, quand tu changes un peu, tu modifies les couleurs. C'est grâce au color grading que ça rend cinématique ta vidéo. Du coup, je vais tester avec mes vidéos de quand je suis partie en Asie, parce que du coup, ça peut être stylé de tester avec ça. Ok, ça donne ça. Vous allez me dire si vous aimez bien. Enfin, vous pouvez pas me le dire tout de suite, mais bref. Là, c'est avec, sans. Mais c'est incredible le color grading. Je pense que pour mes vlogs voyage, je vais utiliser que du color grading pour rendre les trucs cinématiques. Je trouve ça mille fois mieux. Mais wesh, c'est incredible.
actuellement en train de jouer à The Last of Us. Première fois de ma vie que je joue à ça. Et ça, c'est vraiment incroyable.